Chers étudiants et étudiantes, on est toujours heureux de vous retrouver. Merci d'avoir suivi tous les cours et merci déjà d'être devant votre petit écran pour suivre ce nouveau cours de sérigraphie. Eh bien, on va voir aujourd'hui qu'il faut avoir un catalyseur. Après avoir suivi le cours pour et comment attacher le motif sur l'écran, eh bien, après avoir attaché le motif sur l'écran, il faut avoir un catalyseur. Ce catalyseur qui va rendre le motif transparent, qui va rendre le papier du motif transparent afin que cela puisse laisser passer la lumière du soleil lors de l'installation. Eh bien, on va voir ça. On a toujours pour la présentation de ce cours Evelyne ainsi que David. Eh bien, David et Evelyne vont nous faire voir comment appliquer le catalyseur. Eh bien, pour ce catalyseur, on peut s'en servir du kérosène proprement appelé gaz blanc. Voilà, David commence à appliquer le kérosène, voilà. C'est le kérosène qu'il applique sur le motif afin que le motif soit complètement transparent. Il faut que le motif soit transparent pour que la lumière du soleil puisse traverser l'écran, pour que la lumière du soleil puisse traverser les parties blanches du motif. Donc c'est pourquoi on se sert de ce catalyseur qui est le kérosène ou proprement appelé gaz blanc. David vient d'appliquer complètement le kérosène sur le motif. David et Evelyne, merci beaucoup. Merci pour tous ces travaux effectués avec nous à CTIA. Maintenant, à vous de le faire là où vous suivez ce cours. Merci d'avoir été des nôtres. Et il dépose le vitre à insolation afin qu'on va mettre ça au soleil pour l'insolation. Merci une fois de plus d'avoir suivi ce cours et on se donne rendez-vous pour un autre cours similaire. Au revoir. C'était avec vous votre prof Saint-Méus.